Salam alaikum. La consommation régulière de l'ail a beaucoup d'effets bénéfiques sur la santé, mais pas très agréables dans la bouche. Alors voici un astuce pour sa consommation sans forcément sentir son goût trop fort. Alors l'apport quotidien recommandé par jour est estimé à une gousse d'ail, soit 3 grammes. On commence par éplucher la gousse d'ail, puis la laver, ensuite on l'écrase. Il est nécessaire d'attendre 15 minutes avant la consommation de l'ail cru écrasé, ce qui permettra à l'enzyme aliénase de produire les effets liés à l'ail. Une fois les 15 minutes passées, on prend des dattes. Ici, j'en ai pris les dattes à l'ajwa de Médine, mais vous pouvez utiliser d'autres variétés de dattes et on les farce avec de l'ail cru préalablement écrasé. Le goût de l'ail est ainsi adouci par le goût sucré des dattes, mais reste légèrement piquant. Ce n'est vraiment pas désagréable comme goût, surtout avec tous les bienfaits que ça pourrait vous apporter et dont je vous cite brièvement quelques-uns. Alors l'ail agit comme anti-hypertenseur, c'est-à-dire il réduit l'hypertension artérielle, il agit comme chélateur, c'est-à-dire capable de bloquer certains métaux lourds et toxines, comme antioxydants, comme anti-cancer, anticoagulants, immunostimulants. Il renferme plusieurs types de vitamines, dont les vitamines A, B, B1 et B2 et vitamine C. L'ail contient également des agents qui agissent contre le cholestérol. Il peut être utilisé pour lutter contre le rhume. L'ail contient de l'inuline qui est un prébiotique, c'est-à-dire qu'il stimule le développement des bactéries bénéfiques de la flore intestinale. Il contient la lysine qui est à la fois un composé antibactérien, anti-infectieux et antiviral. Il contient la joëne qui a plusieurs propriétés médicinales.